Dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélisère. Bienvenue, Grand Point Cap Dominé Actualité. Haïti, ouverture examen baccalauréat jodia sur tout territoire national là. La police a arrêté un bachelier qui était venu composer examen souligné dans un siège dans la capitale là, Port-au-Prince. États-Unis, immigration, président Donald Trump demande déportation immédiate sans passer devant juge pour monde qui entre illégalement dans le pays pendant que débat a continué dans le Congrès sur le dossier immigration. Président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, réélu à plus passer moitié dans le voyo depuis le premier tour élection. Et puis, mondial la Russie a continué à bouillir. Et qui permet depuis Washington DC, nous prenons d'abord dans le pays d'Haïti, côté la police arrêté un élève qui était venu composer dans l'examen baccalauréat qui ouvert jeudi à ses premiers journées, qui déroulait sans incident. Il y a un reportage, Jean-Pierre Leroy. 140 000 élèves l'école pour pupiti, bachelier, participaient dans l'examen baccalauréat qui commençait lundi 25 juin dans 10 départements géographiques pays. Correspondant à la Voix de l'Amérique à Port-au-Prince, Florence Disney fait connait épreuve vieux a déroulé sans incident malgré arrestation d'un bachelier qui était venu composer à exam souli. C'est une ouverture qui fait sans coïncidence, sinon que ça nous habitue à yo et lève besoin et fiche pour qu'on fiche. Et il faut que nous disons problème qui passe à l'année, ça fait qu'il y a un pile fiche qui a joué l'autre l'école. Ça veut dire que l'école n'a pas recevoir un bloc fiche par lieu, elle recevoir un bloc fiche sur l'autre école. Donc ça vient mettre en pile difficulté pour élever eux-mêmes, ils ne peuvent pas jouer une fiche. Et il y a un bachelier même qui ne peut pas jouer une fiche du tout. Mais il y a un incident qui est enregistré dans l'ouverture d'examen aujourd'hui, c'est que il y a un élève lycée. A composé dans le lycée Toussaint, alors la police a arrêté lui parce que monsieur vient dans son examen avec une âme. Et d'après information, il a dit que c'est âme frêle qui lui-même son policier. Donc il a arrêté lui avec âme ça. Donc suivi a fait dans le niveau commissariat. Directeur Bunexla, bureau examen, Renan Michel, qui réagit sur premier journée épreuve, fait qu'on est problème fiche examen résout. Bon, normalement, quand vous dites que vous avez très bien matin, hein? Sauf que vous avez des cas. Il lève qui a des difficultés que des cas composés parce que l'information n'est pas venue à temps dans le ministère et que qui est venu là, bon, le ministère est obligé d'ouvrir des centres spéciaux pour eux, que des cas composés, et que maintenant, il n'a pas ouvert des centres pour eux qui a composé là qu'on y a là. Ministre de l'Éducation nationale, là, Josué Agenor-Cadet, fait qu'on est, le ministère l'a dirigé à, prend toute disposition pour bon déroulement et preuve à Nissa. Examen baccalauréat à bout, jeudi 28 juin. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Jean-Pierre Leroy, ou toujours sur La Voix de l'Amérique, qui peut mettre depuis Washington DC. Il y en a pour qui domine l'actualité. C'est une interview Nicolas, François-Nicolas Duvalier, by La Voix de l'Amérique, jeudi, qui était 21 juin, qui s'est passé là. Son interview qui provoquait en pile réaction, notamment sur page Facebook nous et sur l'autre plateforme que La Voix de l'Amérique. En gros, dans l'interview, ça nous t'a demandé Nicolas François Duvalier, est-ce que les candidats à la présidence ou bien pour l'autre poste électif, il était clair, dis-nous, que, eh ben, les gains, c'est sûr que le Daremé servit pays, mais le poko là, parce que l'in en concertation, l'in en pile et contact que la prend, et l'in tout dit que situation pays a, sociopolitique pays a grave. Grand pile réaction qui sortit un peu partout, et pour y réagir sous, et interview ça que Jean-François Nicolas Duvalier t'es banou. Nous gain Clarence Renoir, qui sont analystes politiques, qui sont leaders politiques tout, et unir, les mêmes qui te suivent interviewa, les mêmes nous t'a remis compte qui lecture que le fait de interviewa. Clarence Renoir, c'est la première fois, Nicolas Duvalier parlait, François-Nicolas parlait, et c'est ça qui fait tout que le créer, tout tolé ça, et bien, ou même qui première lecture qu'on fait de interviewa. Bon, première lecture, c'est que nous on vit démocratique dans le pays d'Haïti, ce que sous Duvalier, pas de gain, père et fils, grand-père et père de Nicolas. Donc Nicolas bénéficie aujourd'hui à sa population haïtienne, non, mourit, en pile leader politique, militant, mourit, bataille, pour que gain démocratie dans le pays d'Haïti, il est capable d'exprimer. Mais en même temps, c'est vrai que l'interview a
et suscité en pile buzz, puisque c'est mot internet là, ça moi à la mode là. Nicolas Duval était déjà dans, capable de dire, dans la photographie politique de ces dernières années. Il est toujours paraît, il était même candidat pour le Sénat, dit-on, il est toujours à prononcer lui. Même penser que la population haïtienne n'a gagné mémoire encore vivant de qui sa régime Duvalier a été, ou difficilement pour accepter que l'autre Duvalier est capable d'être président encore. C'est vrai en même temps qu'il est nostalgique. Il y a des gens qui sont très nostalgiques de période là et qui pensaient que ben, Nicolas Duvalier est capable de présenter lui dans l'élection. C'est vrai qu'il y a liberté, qu'il y a démocratie, il est capable de présenter lui. Mais la population haïtienne, dans tous les mêmes, il est assez intelligent et assez madré pour lui pas prendre et capable de dire dans mauvais coup Duvalier encore. Mais tu as abordé la question ça avec la